Bem, não estamos à espera, é de descobrir mais sobre os nossos convidados, nos invités, e vou passar agora a palavra para o Joaquim Simões. Joaquim, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton travail au sein de cette équipe? Bom dia novamente. Nós somos promotores, eu e o Pedro Felipe somos promotores construtores. Depois, tanto construímos na zona da Aroeira, que é de facto um misto entre o Pinhal e o mar, muito, muito cerca do Golfo da herdade da Aroeira. Proporcionou-se, numa certa altura, o Greg Henriques e a Virginia Henriques comprarem-nos uma casa, e a partir daí nasceu uma parceria com a Vila Férrea, com a firma que eles construíram, e nós aqui estamos para os apoiar nessa parceria, para o desenvolvimento mesmo daquilo que nós fazemos, também junto aqui dos franceses e da comunidade francesa que se queira e queira viver em Portugal, e fazemos algo de qualidade, e é isso que estamos aqui a apresentar. Pedro? La même question. O Joaquim resumiu praticamente tudo o que nós estamos a fazer em Portugal. Queria dizer também que a Aroeira não é só perto do mar e do Pinhal. Estamos muito perto de Lisboa, estamos muito perto de Zimbra, estamos muito perto de Setúbal. E o sítio onde a Vila Férrea está a promover estas moradias tem estrada para todo lado, portanto é fantástico. Vai-se a pé para a praia, a pé a correr, vá. Estamos ali 2 km, 3 km da praia. É fantástico. É muito bom. Ai, desculpe lá, mas bom português. E o francês também é igual. Tem boas estradas para bons restaurantes, para bom peixinho, imagino, para a gente comer um bom peixinho grelhado. Isso tem certeza absoluta. Ah. E muito perto de Vila Férrea, muito perto. É isso que a gente quer. Moi, je retiens juste près de la plage, même si c'est que 2-3 km. Je retiens près de la plage. Parfait. Como é que foram parar então nessa equipa toda de trabalho? Bem, nós conhecemos o Greg quando nos comprou a casa. A dada altura proporcionou-se fazermos esta parceria. Começámos há cerca de um ano a parceria e agora está a funcionar muito bem e estamos aqui para apoiar. E tu, Kátia, como é que tu as fez para arriver dans? Ora bem, eu conheci, portanto, eu sou membro de, para além de estar inscrita na Embaixada, mas o que é certo é que também sou membro de várias associações francófonas em Portugal, e conheci num almoço, portanto, na Aroeira, a Virginie e o Grégory, portanto, no almoço de l'UFE, de l'Union des Français à l'étranger, em Lisboa. E então começamos a falar e eles falaram-me no projeto. Durante vários meses não tivemos qualquer contacto, mas depois a Virginie precisou de uma advogada e lembrou-se de mim. E depois então surgiu aí, como eles já estavam numa fase mais avançada do projeto, então nós criámos uma parceria, mas também posso deixar aqui a Virginie a dizer, portanto, algo sobre, portanto, a nossa envolvência e, portanto, o resultado desta dita parceria. Virginie? É interessante como o universo vos juntou. J'ai presque tout compris. oui, bah en fait, nous avec Vila Férrea, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de, on a voulu accompagner les francophones qui, comme nous, voulaient s'installer au Portugal et qui avaient encore des petites craintes ou qui avaient juste peur de pas oser parce que c'est une culture différente, c'est une langue différente. Et ben du coup, on a voulu s'entourer de personnes de confiance. Donc bah, on a rencontré Pedro et Joachim, c'est eux qui ont construit notre maison, donc c'était facile, on les a suivis sur tout le chantier, et puis on a créé quand même une relation de confiance, et on s'est dit ça, c'est des personnes avec qui on peut travailler, on sait qu'il y a une grande qualité au niveau de la construction, on sait qu'ils sont très bons en termes de finition et qu'ils font attention et qu'ils font un suivi des clients par la suite, ce qui est très important pour nous. Pour qu'on puisse donner le meilleur à nos clients. Et puis Katia l'a bien résumé notre rencontre, mais c'est pareil, ça a été quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une journée à l'UFE et j'ai attendu plusieurs mois avant de la recontacter parce que je voyais pas vraiment l'intérêt d'une avocate, hein. Et en France, une avocate, c'est quand on a un problème.
Et puis là, en fait, on a essayé de faire les démarches seules avec mon mari, à créer notre entreprise. Et ben, on s'est tourné vers Katia. J'ai dit, écoute, il nous faut une avocate. Tu te souviens, il y avait Katia, elle avait l'air vraiment sympathique. Et puis, ben maintenant, voilà, on sait comment elle travaille, on voit comment elle travaille avec nous. Du coup, on peut que la recommander à nos clients. Et voilà, moi, je suis assez contente et fière de les avoir avec nous ici à Strasbourg, parce que ils sont venus de leur plein gré et c'est pas évident. Ils laissent leur famille, ils viennent ici pour le travail. Donc non, vraiment, j'apprécie. Et on passe un très bon week-end entouré de l'association culturelle portugaise de Strasbourg, avec vous, la Chama. Enfin voilà, on a l'impression que c'est vraiment une grande famille et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je remercie vraiment tout le monde d'être autour de nous tous et d'être en interaction, c'est vraiment agréable.